Donc une des alimentations sur lesquelles je travaille, je me suis rendu compte curieusement que malgré le code couleur au sorti, c'est pour ça que j'ai mis la pince crocodile rouge sur le fil noir, ce qui semble un petit peu ridicule, c'est qu'en fait, si j'allume avec la petite charge que j'ai posée, là, un petit moteur, histoire de tester, et ben je suis bel et bien dans le bon sens. Parce que mon 24 volts, il est bien là. Il est bien dans ce sens-là, il n'est pas dans un sens inverse. Alors je sais pas pourquoi ce constructeur à l'origine a foutu le fil rouge sur une masse et le fil blanc également. Et du coup, la sortie se fait sur le fil vert et le fil noir. Bonjour le respect du code couleur, quoi. Heureusement que je suis méfiant et que j'ai monté ce petit contrôleur, parce que sinon, ce petit banc de test minimaliste avec juste un petit moteur tout simple. Sinon, je serais tombé sur du moins 24 volts et j'aurais cherché pendant des heures pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc tout simplement parce que le code couleur est inversé. Alors que l'alimentation fonctionne parfaitement, elle est très stable à 24,9 volts. Elle est donnée pour 25 volts hein, de toute façon, donc on est tout à fait cohérent.